Bonjour à toutes et à tous. Voilà, aujourd'hui je vous amène à la Croix Saint-Philippe. Petit sommet là, au-dessus du bassin Capensé dans les Hautes-Alpes. Donc là on est en dessous de la Croix de Saint-Philippe. Et il y a cet amas de pierres, c'est très minéral. Voilà, il y avait très certainement un petit hameau ici aussi, avec quelques constructions, quelques ruines. On voit la disposition de pierres à des endroits. Et effectivement, il y avait une ressource en pierre naturelle pour construire de l'habitat à disposition, quoi, à foison. Hein. Concrètement, un exemple de l'ancien habitat ici, sous la croix de Saint-Philippe. On voit cet agencement-là. Qui est évidemment pas du tout naturel, hein, qui a été fabriqué, mis en place, assemblé par l'homme. Voilà, là également aussi, alors ça peut être un assemblage un peu du hasard, on va dire, mais voilà, les lignes et les découpes laissent songeur. Pour donner un petit aperçu là du... un petit aperçu quand même de l'alignement du mur là. Ouais, c'est pas vilain du tout. Hein. Évidemment, à l'époque, il n'y avait pas le lac de Serre-Ponçon. Mais voilà, je vous laisse imaginer quand même le cadre, hein, que ces personnes, à l'époque, se sont choisies pour établir leur habitat. On peut se rendre compte quand même de ce travail. Et ces espèces de menhirs naturels là, qui sont sympathiques. Il y a des, on voit bien les carrés délimités, les rectangles. Objectif atteint, Croix de Saint-Philippe. Évidemment, c'est un parcours trail, hein, pour ceux qui veulent le faire plus rapidement. Voilà, 360, lac de Serre-Ponçon, Morgon. Et là, évidemment, on va y aller vite fait. Mais là, il y a le bassin Capensé, comme on dit, hein. Voilà, avec la tête chapeau Napoléon. Voilà. Et voilà. Voilà, et ici donc, hein, habitation, hein, carrément. Hein, voilà, on le voit. Hein. Voilà, des habitations ici, très particulières. Donc il devait y avoir même une chapelle ici, hein, à l'époque. Voilà, on voit très bien le four là, hein, le cul de four, comme on dit. Je sais pas si on dit ça, mais enfin bon, il me semble que c'est ça. Voilà, et le Capensé, un peu sous la pluie, en ce fin août. Alors, un des panoramas que vous allez avoir quand vous allez avoir atteint la Croix de Saint-Philippe, et ben voilà, c'est cette ouverture sur le Chaillol, où on voit quand même les nuages là qui sont en train de bien s'agripper, hein, sur le dessus, sur la pointe, le chapeau de Chaillol. On est côté Champsaur. Voilà, côté Champsaur avec Ancel qui est juste là-dessous. Le village d'Ancel, station de ski aussi évidemment. Voilà, avec son agriculture. Là, on ne peut pas dire qu'elle n'est pas valorisée sur cette image. Le travail local, agricole, paysan, voilà ce que ça donne aussi, ce genre d'image. Ouais, un petit cœur de nuages.